servir, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre tranche matinale, matinée verte. Tango Yalangama Yapundu. Vous nous suivez de partout. Merci pour votre fidélité à la première chaîne thématique sur l'environnement. Nous, c'est la radio-télévision Environnement et conservation de la nature. Nous avons choisi de parler sur cette thématique, un peu négligée, hein, parce que je l'ai dit, je le redis toujours. En République démocratique du Congo, il est facile d'observer des chaînes de télévision parler sur la politique, la musique, les sports, même surtout la religion, mais oublier l'environnement. Tandis que nous tous, nous vivons dans un environnement donné. Nous trouvons à manger dans l'environnement, l'eau, les animaux, tout ce que nous avons besoin. C'est Dame Nature qui nous aide à avoir tout ça, mais nous oublions de parler sur ça ou de savoir comment vivre avec la nature. C'est pour cela, à travers cette tranche matinale, matinée verte, nous essayons de changer avec vous sur des sujets qui guettent la société, plus sur le plan environnemental. Nous essayons aussi de vous apprendre à connaître comment utiliser quelques plantes, des épices que nous utilisons dans notre cuisine, dont nous ne savons pas le bienfait, et puis comment utiliser, mais aussi les espèces animales qui existent partout dans le monde. C'est à travers la rubrique morphologie systématique animale et sikanini boye baka banyama wana nyoso. Alors, Dieu a bien voulu que nous soyons comptés parmi les vivants de ces matins. Alors, c'est une obligation pour nous, chaque jour, de dire merci à Dieu pour sa bonté, pour son amour, pour sa fidélité. Trouver grâce, nous avons trouvé grâce à ses yeux. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits ou parfaites. Non, non, non. C'est vraiment une grâce. Alors, chaque matin, nous devons montrer notre gratitude, notre reconnaissance à notre Seigneur à travers de louanges, de remerciements, aller plus loin, comme le dit le pasteur Dr. Cosma Wilungula, dire « Jésus, je t'aime ». Ah, c'est plus facile de dire à son ami, à sa femme, à son mari, je t'aime, à Dieu, ça pose problème. Je ne sais pas si c'est difficile, mais hein, bon, il faut les faire chaque matin. Alors, nous allons louer notre Dieu à travers ces très belles chansons que nous propose notre réalisateur du jour. Lui, c'est Cédric Lissoumbou. Et puis, nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer avec notre tranche matinale, matinée verte. Lokito na masanjoli ebongi pona nzambe
Des retours sur ces plateaux. Merci beaucoup, Cédric, pour cette très belle chanson. Aujourd'hui, nous avons l'assistance spéciale des Amazing Grace. Hein, c'est l'enfant de notre Dupro, hein, Monsieur Junior Selemani. Alors, elle est déjà à côté de moi. Elle, c'est Hortensie Fagata. Merci beaucoup à vous tous. Hein. Il y a déjà des personnes qui ont signalé la présence de Nabango. Vous êtes connectés. Envoyez-nous des SMS au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Nous allons vous lire, même sur WhatsApp, donc autant à Bino. Et c'est déjà la matinée verte. L'environnement. Je vais faire en sorte que Nalo Balingala, parce que je vais lire des textes aujourd'hui, ce sera en français, mais Toko Bundarangara. To expliquer un peu na linga kalanga mboka na bisina lo baranyo so to salaka photo lo bango na langue moko eza facile banyo so ba comprendre on veut za rap mimi lingala. Alors vous savez à travers la matinée verte za kana ba rubrique mubale morphologie et systématique animale et sikana lo bilaka banyama et puis à la découverte des vertus to lo bilaka ba fruits bépis to lo bilaka pe mai utilisation un bloc un peu beaucoup hein à la découverte de vertus ndenge ni ya ko sali lango ba bien fait nango et puis il y a des personnes au bazar interdit à kolia biloko wana pour des raisons au médecin balobaki mais il faut toyebaka ndenge ni akosai la tout ce qui est bio. Ah, les lundis on avait parlé sur la COP27 qui avait débuté déjà depuis les 6 en Égypte. Les experts en environnement, chef de gouvernement, kenda ki kokuta na kuna po balobela makambo oyo etali climat. COP27 c'est la conférence des Nations Unies sur les climats. Donc le monde actuel a beaucoup de problèmes liés au climat. Quand on parle de changement climatique, les amakambo ebele. Tout cela qui lundi tout le bela qui était. Ce qui m'boule les obéta ebele en excès, c'est un problème lié au changement climatique. Ce qui peut m'boule exaté et ça problème au changement climatique. Ce qui bloque les obotama bien té. Et ça problème lié au changement climatique. Il y a même des maladies qui sont causées par le changement climatique. Donc il faut toyeba makambwa na nyoso. Alors, intervention à Batébélé, déjà salami jusqu'à l'obiti lobby mardi et salimaki, mais il faut le dire aussi que notre VPM, Madame Bazaïba, y est à Pessaki déjà point de vue depuis le dimanche sur Makambo et Tali Climat Ndenge Bakinde Kokutanakuna. Elle, c'est la ministre de l'Environnement et Développement Durable, Madame Bazaïba, à Lobaki. Et bien, mais je vais essayer un peu de lire ses propos. Hein, elle a dit « Le fonds d'adaptation ne peut plus être à ces stades un simple discours. Nous aimerions qu'au sorti de la COP27 que nous ayons des éléments concrets et fiables avec des indicateurs objectivement vérifiables. » Donc, si on peut essayer de résumer l'intervention de Mme Eva Zaïba, il faut dire que la vice-première ministre congolaise en charge de l'environnement, Eva Zaïba, a tenu un discours offensif à l'égard des pays industrialisés responsables de plus de 80% des émissions des gaz à effet de serre. Donc, tout le bec déjà pays industrialisé, tout le bec déjà grande puissance wana, oyo, bangonde baby si environnement mingi, avec leurs entreprises, leurs usines, polluent l'environnement. Et puis, ils commencent maintenant à demander, par exemple, bassin du Congo, vous ne pouvez pas couper des arbres, vous devez garder ceci, y'a capé qu'on exploite, y'a rosabilo qu'on abisso, mais ils n'arrivent pas à financer ces pays. Qui sont sous-développés. Il faut pas ça bambo, il faut pas ça bambongo parce que quand vous industrialisation na biso kaka ezo mema exploitation pa na biso té mais ezo bébi ça pe environnement na biso et ça a été to subi ba conséquence ya makambo ku to salité. Donc il faut et ça les mandengeni, il faut futa ba financer ba communauté oyo baza vulnérable baza derrière na ba problème lié na makambwana oyo etali changement climatique. Alors le mardi l'intervention du président sud-africain Cyril Ramaphosa vraiment et ningisaki conférence. Oui, le mardi, l'intervention du président sud-africain Cyril Ramaphosa, ça a dérangé. Lui, il a critiqué le bailleur de fonds. Les bailleurs de fonds, ils font des promesses aussi. Bazo kokisa yango te.
Bazoko qui s'est engoté, ils veulent promettre, oh, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, mais Bazo le bangoté. Dans ces dires, là, ce sont les paroles du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il dit, nous avons besoin d'une feuille de route claire pour respecter la décision de Glasgow de doubler le financement de l'adaptation du CIA 2025. Notre accent doit être mis sur la santé, le bien-être et la sécurité alimentaire et hydrique des personnes les plus vulnérables dans le monde. Nous sommes déjà en train d'augmenter les investissements dans les énergies renouvelables et nous sommes sur le point de retirer un certain nombre des centrales électriques au charbon vieillissantes. Le somme nécessaire pour que l'Afrique du Sud, là s'il parlait maintenant de son pays, s'engage dans ces difficiles voyages, s'élève à près de 90 milliards de dollars à déclarer pour son pays. Hein, vous voyez, moi j'ai dit, regardons d'abord le poids de la RDC et Afrique du Sud. Il y a déjà ça à Zoloba à 90 milliards de dollars. Et puis nous, la RDC, il faut demander combien. Nous allons en parler, mais aussi le mardi, ce n'était pas seulement l'intervention du président qui a directement lancé ses paroles au bailleur de fonds, mais c'est aussi autre événement qui avait marqué la journée, c'était l'exclusion du législateur pro-gouvernemental égyptien Amr Darwish. Lui, ce dernier a affirmé que Kala Abdel Fattah, le militant britannico-égyptien emprisonné en grève de l'eau, allais-je dire, était détenu pour infraction pénale et non en tant que prisonnier politique. Donc ça fait qu'en sorte, ces propos qui ont été tenus hors de la conférence de presse menée par la sœur du militant ont poussé la sécurité des Nations Unies de l'escorter à l'extérieur. Ça s'est passé comme ça. Là, c'est encore une autre affaire. Il faut que Abdel Fattah, il est emprisonné. Son peuple essaye de mener des actions pour la libérer. Tout ça, avec l'intervention de Darwish, ça a posé problème. Tout ça, et c'est là qu'il y a été mon mouvement. On a Islamaki Lobby dans la conférence. Mais la conférence continue. On continue à discuter sur le sujet lié au climat. C'est un problème lié au climat, au changement climatique. Ce qui peut sécheresse c'est salami et ça problème ou est lié na problème est lié na changement climatique. L'intervention de madame Bazaïba vraiment ça montre aussi que nous le pays où est toujours pollué était où est toujours na problème ou na tête saliango mingité. Si vous voulez nous imposer de choses du genre n'est pas exploité, faire ceci, tout ça, vous devez financer les communautés vulnérables. Et puis, ce qui est encore très utile, oh, ils ont ça, ils ont mouvementé débat dans la conférence au Yacob 27, ils allient la mise en pratique, la mise en action des mesures prises lors, il y a Glasgow, il y a conférence, il y a Salama qui est à Glasgow. Donc, la mesure, on a mis ça, et Salamité. Bambongo, la promette qui est tout ce bailleur de fonds, le pays industrialisé, la promette qui va couper ça, nous avons et Salamindengue et l'Obama quitté. Donc, il faut. Tout comme à niveau à cause ça l'angoisse ceux qui te donnent la peau ça tous les cas l'humidité parce que tu le bas qui était ceux qui te les qui expert hein bah expert en débat le bas qui ceux qui te les qui l'humidité toi na moyen cause on a si ma et cause la si bah catastrophe ils ont ça les mébélés. Il y a des tsunamis, hein, maman, ils ont côté la bâtonne en boca, volcan, tout ça. Ce sont des problèmes où ils ont ça les mamans, n'est-ce qu'ils ont ça les mains. Et ça, l'événement, c'est ça, oui, naturel, ça peut se faire. Par exemple, volcan, tout ça, macambo. Et ça, normal. Mais quand ça s'est fait d'une manière un peu pas logique, là, c'est un problème lié au changement climatique. Yango, toujours continuer le sujet, Wana. Vous êtes scientifique, vous voulez poser des questions, vous voulez intervenir, écrivez-nous au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Mais il faut le dire, ici, dans la ville province de Kinshasa, Makambouye, le changement climatique, est à ébélé. Moi, Makambouye, Miki, Baïmbo, Kabaye, Bakakosa, la thé, pour éviter, Bissot, Peto, Bébissa, environnement, Bissot.
bambou les obéta les locutu le bimbula ils allaient ni 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 menacer côté monsieur obéta qui le lobe bimbula bah côté monsieur ebeti bimbou les obéta mais bah précaution toujours zoati ça pose problème donc bah tout côté bah koufi est-ce que kotonga te bah déchets na biso tu es bininga côté angote na bah pays monsieur déjà net Nigeria j'avais dit le lundi plus de 600 personnes bah koufi pour la bah inondation. Tout ça, tozoye ba komi ba telate, pona nini, na makambo et telezaka ba bayer de fonte. Est-ce que la population biso par na biso toye biango? Ortisifa elle est avec moi, Ortisifa, ma conseillère, ma collabo. Ortisifa Gata, c'est la femme de quelqu'un. Bonjour. Bonjour Dolores Ossa, et j'ai dit bonjour à tous les amoureux, oui, de la matinée verte. Et là, je souhaite un très bon anniversaire à Papa Nikens Luzingu, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Nous vous souhaitons qu'il y ait du bonheur et que l'Éternel vous soit favorable dans tout ce que vous entreprendrez. Ok, alors Orti déjà toujours continuer dans ma solo la bûche telle COP 27 ma camboza mini ça climat hein donc le climat changement climatique c'est pas problème n'a ingoué zébélé tantôt tu que le bela va bailleur de fonds il faut pas financer normalement ma population vulnérable ma population vulnérable parce que ils en a pas payé mususu baso quoi émettre bagage effet de certé bélé t'écoute mais baso subit ma conséquence Somalie on avait parlé avec la sécheresse bilo les obots à maté mais biso pe nambo kana biso to le belango. Est-ce que par la population, ba yebi ba notion ou environnement, comment ba koyi ko vivre na nature? Est-ce qu'il y a ignorance pété moi na par la population congolaise? De l'autre côté, je dirais peut-être c'est l'ignorance qui joue. Pourquoi? Je me dis déjà, je sais déjà que quand j'ai mes déchets, je ne peux pas les jeter peut-être dans la rivière. Quand j'ai mes déchets, je ne peux pas les jeter dans le caniveau. Mais par, je ne sais pas si c'est par ignorance ou c'est par manque de connaissances. On le prend, on le jette dans les caniveaux. Or, je crois, si pas la semaine passée, l'autre semaine là, il y a le ministère des Infrastructures qui avait lancé, qui aurait peut-être, curage des caniveaux et des rivières. Mais jusqu'aujourd'hui, c'était dans 48 heures. Jusqu'aujourd'hui, où en sommes-nous? On ne sait pas. Donc, apparemment, on attend toujours qu'il y ait peut-être inondation, qu'il y ait quelque chose pour trouver une solution. Maintenant, avec ces problèmes de changement climatique. Ça pose problème, ça pose problème. Orti, ok. Orti, soit bandit français, ok. Non, car bon, Dana et Bissé. Orti, soit bandit le poteau malin, mais tu es qui t'as. Dana, le bâtiment, depuis le début de la matinée, j'ai dit ça. Alors, Makambo, il y a problème, ils ont lié le climat, ils ont Makambo et Bélé. Ils ont kaka, ba condité, nabiso population. Déjà, ba condition qui ba lobby, il faut ba ça là. Parce que ba reko promettre Bissé de l'autre côté. Ce qui est salimaté. Ma promesse est qu'il est belé. Ma promesse est qu'on commence sans suite. Hein? Moi, projet mon koyaki boy. Et bandit sans suite. On a bien un projet sans suite. Parce que suivi, contrôle et salimaté. Dans ma cambo est belé. Assainissement est basique et belé et banda, mais est si laté. Et ça, c'est une bonne notion. Et ça, c'est que AirTech Tropicana est à charge à Kolobelango. Par exemple, quand on avait essayé de sensibiliser la population sur le brûlage des déchets, Boebi était milinga ou ebimisaka, biloko to tumbaka. Incinération, oui, ça s'est fait partout, il faut biloko tumbama. Mais eza kanaba méthode ya ko tumba biloko. Et biso to ebi ango te, mais eza ba expert ba ebi ango biso ba imboka en général, parce que moi je ne dis pas seulement moi. Nous, la population, to ebi ango te. To koyi ko zwa te, ozui lamba, osangi si na carton, osangi si na plastique, ozui li bende. Quand on sensibilise la population, disant que non, il ne faut pas brûler les déchets. Est-ce que ba ebi saka biso, par exemple, les conséquences nangolo baka are, ko tumba ma tisi bote eza ma. Il y a de ces personnes là au balobaka à Lukaka donc preuve à l'appui donc voilà ce ibi c'est au moins ce tumbi nini oyo tango milinga no komelango et komela aux conséquences ben nakati nzoto ko sala voilà population peut-être à cause à la sensible ne lokwana mais toi tu dis c'est mal la population tu vois quand tu prends les déchets et ko baby sanini boy et sili. Mais eko baby sa nini conséquence en quoi la langue eko za la nini la population a commandé tellement ko je peux dire têtu alingi aye bakaka ah donc son tumbi ma poussière, on a tout solo, on est cotingaï, et qu'on mélange peut-être concert, et qu'on mélange l'okoubou. Donc je dois abandonner, c'est ça. La population aime ça. Et voilà, envoyez-nous des textos, c'est mieux. Hein? Sur WhatsApp, envoyez-nous des textos, tokotanga SMS. Non, même voice sur WhatsApp, tindelebso voice tokotanga. Alors, n'ayez orta lobby, au sein ici des choses, lobby, au ébi ba conséquence na yangote. Par exemple, l'autre fois, moi et orti, to lobby la qui était.
les hommes, les hommes le plus âgés, parce que moi, bateau baza bakolo, quand je dis les hommes, on va voir peut-être bamibali. Non, basi bateau bakoli déjà, banamike, milinga wana zaka déjà toxique pa na bango. Oh oui. Tango bazo yango ba obanda okosola mbala moko. Parce que ce que babani okosola bongo à la longue, à cause la fièvre, à cause la grippe, tout ça. Ozomona, ils ont démontré que oh wana to mimaki belema chimique dakina na kati yango esali ete ezala problème pour na respiration na bango. Ozomona. Donc population a sensibilisé na makambo mike mike baza sensibiliser te. Baye bi yango te. Ba kosala ngo ko continuer ko lobela ngo mais ce n'est pas toujours que de voir il y a AirTech mais moi je trouve que d'autres médias ba ko ba ndo sensibiliser population wana. De leur raison, on a toujours dit la sensibilisation ne se fait pas seulement à la télé. Sensibilisation est ko kosalema na église. Na école des cycles nous sommes rassemblement politique au tout ça la kawana et tout ce qui colle capé na yango pour na sensibiliser population par rapport à bakamba changement climatique même à l'église à la télé on le fait mais tout le monde n'a pas vraiment l'habitude de suivre la télé et même dans nos téléphones on est accro dans les réseaux sociaux donc au dépôt la muka kitina tongo tu peux aussi partager quelque chose par rapport à la sensibilisation. On doit sensibiliser la population dans les médias, dans les téléphones, dans les rassemblements politiques. On est obligé à sensibiliser la population. Vous nous appelez dans le bas qui déjà beaucoup milanga texto. Si vous voulez dire la voix, na yo ka voix na yo magamozo le bas. Tiens dire la na WhatsApp. Alors j'ai dit envoyer des textos, voice tiens dire sur WhatsApp comment. To kotanga ningi to lebe zape sensibilisation tout ça il faut ça les malais leaders d'opinion il faut qu'on sensibiliser population sur le problème lié au climat en exactement dans le cadre de la COP27 ni tozo zongi la makambo wana nyoso tozo ça nous essayons un peu de généraliser tous ces problèmes liés à l'environnement ningi batu bayebite par exemple autre truc on peut exemple il y a brûlage des déchets mais aussi quand on dit plus d'un Congolais, j'ai n'importe quoi par la fenêtre de leur voiture. Ils ont mentalité, ils ont éducation environnementale, ou ils ont d'honnêteté. Parce que on a bien été comportement mutu. Na le lengi yo vanda pa la bune. Est-ce que les voitures ils ont roulé, il faut bim c'est le bon bar à déchets. Non seulement que au Kobe bim ça paye au cause de la paix voiture ils ont roulé de leur reste. Au bim c'est le bon pour boire à déchets. Donc, il y a plusieurs conséquences. Mais l'environnement, ce sont des choses qu'on ignore, mais il faut que l'on ait l'abisso. Mais je veux dire que vous avez la bonne éducation, hein, tout que vous avez la mauvaise éducation. Parce que les déchets sont dans la poubelle. Quand vous êtes à l'école, il faut que les déchets soient dans la poubelle. Les déchets sont dans la poubelle. Et vous avez vu que vous avez dit que quand vous parlez jeter, hein, d'ailleurs, hein, pas à l'intérieur de, mais il y a d'autres personnes qui déposent ça dans le bus. Oh là là. À l'intérieur de. Donc, ceux qui habitent le bus, c'est toujours comme la. Il y a Azala Rasso qui a lié, Azala Katia Moutouka, Azala Wapi, les déchets, elle garde dans son sac. Et quand elle arrive à la maison, elle prend tous ses déchets, elle tient la poubelle, ça coûte combien? Bon, le mal est aussi dans notre pays de l'Orest, ça, parlons-en. Quand on commence avec une sensibilisation, tous les télé, mais là, par exemple, les cobois qui ont des déchets, bon, une semaine, deux semaines, c'est trop. Et puis, il y a la Nayango. Mais la population, apparemment, avec notre population, il ne suffit pas seulement à colober le tiki. Il faut chaque jour qu'on mette à la bise au côté. Tu vois, quand tu chicotes chaque jour, on doit arrêter. Mais quand toi, tu sensibilises aujourd'hui. Voilà. Il faut insister. Il faut insister. Quand toi, tu sensibilises juste aujourd'hui de l'Orest, tu me dis, Ortisifa, tu vois, si tu jettes la bouteille là, et que ça, là, et que, par exemple, et que Kangamai et les Kadisou sauté, tu allais, tu laisses. Mais je dois au moins voir ça dans ma tête. Je me dis que non, ceux qui n'ont continué à boire, c'est Toko Zinda. Toko Zinda, il faut comment m'a dit. Le problème, c'est bel et bien l'environnement. Pour participer, dans le vraiment, il ne faut pas appeler. Envoyez-nous des textes. Nous allons d'abord prendre notre première rubrique. C'est la morphologie systématique animale. Alors nous allons prendre notre première rubrique, c'est la morphologie systématique animale.
voilà, de retour sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons parler de cet animal qu'on appelle les poukous. Les poukous. Alors, tu sais, c'est quand même une zambé. Je dis les poukous. Elles ont poukouté. Ah, tout va bien, hein? Pour le bisou, il m'a dit poukou. Poukou, on a été, on a raté, souris, on a été les poukou. Image de Zawana. Les poukou. Les girafes, le quoi, zèbre, tout le kara. Les poukou, les poukou, c'est déjà un animal africain, ça montre que, à Zkombo, hein, il y a bisou, et Afrique. Le poukou est un mammifère herbivore de la famille des bovidés. Les poukous mesurent 125 à 170 cm de longueur et pèsent 50 à 70 kg pour la femelle et 70 à 90 kg pour le mâle. Donc, oya mobali apesaka mingi koleka oyo ya mwasi. Arrière surélevé, miso allongé. Quand je parle de miso, ils ont éloigné liboso, miso allongé. Grandes oreilles, il ne faut pas comparer ses oreilles à celles des éléphants. On les a amenés ni makasi. Mais grandes oreilles, long cou. Son pelage est fauve, rougeâtre, gris-blanc sur la partie ventrale. Kota libumunde, boroyo komona eza moi pembe, moi gris-blanc comme on a dit. L'espèce possède une longue queue, pas très longue, une queue qui mesure 30 cm. Le mâle possède des cornes annelées dont la longueur varie entre 40 à 55 cm de cornes absentes chez la femelle. Donc, il y a moi aussi, Azalaka, na Baseke. Maseke. Ah, les longs qui se font bien ici, le baka Maseke. Ah, les gars, là, Maseke. Il y a moi aussi, Azala Maseke, t'es donc. Alors, comme cri, sifflement, le bovidé siffle. Siffle. Presque tout le bovidé siffle. Régime alimentaire, j'avais dit que l'espèce est herbivore ruminant. Les bovidés africains mangent les herbes, le fer, le buisson, le bourgeon, tout ça. De leur réseau, c'est une question qui va continuer. Tu parles du bovidé, tu parles du poukou, si c'est poukou. Ah, j'avais dit les bovidés, donc les poukous est de la famille des bovidés. Ah, ok, c'est bon. Famille bovidée. Donc, il peut y avoir plusieurs animaux. Au bazar, la carte, il y a famille, on a bien dit bovidés. Comme la famille. Alors, la majorité. Sosa. Oh là là. Or, il y a un problème. Bon, on comme la famille Sosa, il y a Sosa Dolores, moi, il y a Sosa Joël, Sosa Caleb. Là, tu veux citer le nom non, de non, on y tout va. Le monde j'ai de ma compris. Famille, non, j'ai compris, non, parce que j'ai entendu des noms au moment où on parle de cet animal. Je voulais juste éclaircir les téléspectateurs. Merci beaucoup, Arti, voilà. Pour votre précision sur la question. Alors, c'était Bovidé, la famille des Bovidés. On trouve cet animal qu'on appelle les poukous. Alors, il mange des herbes, le feuil, le buisson. Reproduction. L'espèce atteint sa maturité sexuelle à l'âge des 1 à 2 ans. Déjà, à 2 ans, il peut se reproduire. Donc, la femelle, elle peut se reproduire. Les saisons des amours ont lieu toute l'année. La gestation dure, oui, à 9 mois, comme les humains. Hein? Donc, pendant 9 mois de grossesse. La bisouka n'est y est pas 9 mois bon. Après quoi, la femelle donnera naissance à un seul petit. Donc, et aux amis, bah, l'été y a botaka moins à moko penza. Et puis, sévrage dure 5 à 6 mois. Après quoi, moins à azu indépendance nae à sa la vie nae. Prédateurs, les lions, le guépard, le léopard, la hyène, les lycans, le python sont les principaux prédateurs de cet animal qu'on appelle le poukou. Mais aussi, il faut préciser, pendant la saison de pluie, les crocodiles peuvent également être un de prédateurs. Donc, pendant la saison boula bouenega maï matakanangwe bele bele, bah crocodile pe bah oui kukanga kani pourquoi lié penza tout ça donc bah qui m'aura ce qui bah moni banyama onyo so nautico cité. Répartition géographique. On trouve le poukou en Afrique, précisément en Afrique australe, il faut dire en Angola, Zambie, Tanzanie, mais aussi ici en République démocratique du Congo. Talaka biso zaka banyama ebeli. Le poukou azalaka pe awa en RDC. Statut de conservation quasi menacé. Le poukou est une espèce quasi menacée en raison de la chasse excessive. Donc, koluka koliaye, koluka kobomaye, koluka na evite koteka, tondenye nini. Allez, tout ça, et ça a été espèce oyo, aza déjà na problème, azo, malem malem bazo disparaître, malem malem bazo kende, tout ça azo kende.
à cause de la chasse excessive, aussi la fragmentation de son territoire et la concurrence avec d'autres bétail domestiques. Tout ça, et ça a été azala menacé. Espérance de vie, sa durée de vie est de 10 à 15 ans à l'état sauvage, mais il peut vivre jusqu'à 18 ans en captivité. Donc, on a 33 ans à part, quand est-ce qu'on va se battre là, va se battre là, les poukous à Kogoumela. Il faut préciser sur ce lieu comme ça. Corne, on dit l'espèce possède des cornes annelées. Quand je dis annelées, on fait allusion aux anneaux. Hein. Ce que tu as dit, c'est oh, na le bien ou bien. Et ça laisse moi bano et lingami tout ça. Elle aura bague à fiançailles, elle aura elle quoi bague à fiançailles. Orti, mais donc Orti n'a pas convaincu tes mais n'a pas un problème. C'est ça, un peu annulé. C'est comme ça que vous allez trouver les poukous. Même si vous allez sur internet, vous tapez image les poukous animal au comment là image il y a malamu encore il y a malamu il y a vie il y a animal autobengaka les poukous. Et voilà tout ce que je peux dire concernant votre animal appelé les poukous. Orti, tu es convaincu hein? Ah, je suis convaincu. Oye bikut nyaba nyamati. Oyo ye meza matiti. Na za na yebi ba matiti ba mbala. Na yebi ba nyamati, je connais les poissons. Hey! Ah, Orti, tu as un problème. Alors, c'est fini avec notre rubrique la morphologie et systématique animale. Voilà, alors, on parlait sur la COP27, mais particulièrement le problème lié au changement climatique, l'eau est belée, action est belée, acte est belée, tout ça là, et tout ça là, et le problème de le climat changé, tout ce qui peut être fait. Et ça a été pollution et outils pas les pays industrialisés, mais biso peut action l'action est belée, et ça a ça environnement. Hein, Orti, tout ce que le par exemple, le brûlage des déchets. Tout le bébé peut déjà l'icambaro tika rokiti ça peut bah déchets mais si canyons ah tout le bébé peut l'icambaro sukoyo bah maman voyait ça nga à tout le bébé ango bon on a évité solution au pesa kanalo bah on a pesa rapé la solution bah quand il peut bah l'andaka faut bah trouver tout bas la solution langa ango bah tiens en pratique et que ça l'a été tous ou à moi dans le reste il faut aussi comprendre que nos téléspectateurs bah linga kokunda bah déchets incinération donc bah on déchets nyonso bah kunda kango dis moi un peu ce que kundi ça chez maman ngai eko pour la journée. C'est ça. Balobi cash ne auto sale la kana soko kundi ango esa la 450. A 4 amabele po e pola. Si ko di mo ampe ba ne nyoso na nanga na auto ko kufa na ba misusu ba koya ba misusu po e pola. Si ko na tango nyoso na soki mabele na bisu ici e baby. Comment est-ce que nous allons vivre? C'est ça, ça pose problème. Alors nous allons aussi un peu parler sur l'utilisation des braises. Braise P esa ba pays na biso to sale lango braise parce que to zala ba courant permanent to sale ba réchauffé hein ba tout ça ba gaz pe na noyé siko yo to sale ka makala mais makala uta ka api pa ka la problème ngoza ka ni to kolobela mais na za message mo na tanga message yo to na tanga orti le na orto c'est quand même réponse nango téléspectateur na pe so ngo mais na pe so ngo le lundi OK tanga alors il dit bonjour ma sœur Zemi ya crocodile
Et ça, là, combien de mois avant Bota? Mais on a parlé du Poukou. Il faut tout n'aller sur le Poukou. Voilà, non, non. On va vous répondre le lundi, madame. Soyez là. Ah. On va vous répondre. Juste qu'on, parce qu'on n'a pas parlé là, de déjà, ça. Là, déjà, on va parler sur cet animal qu'on appelle crocodile. Mmh. Dans le Bela crocodile, les lundis, seulement, exceptionnellement pour vous. Mmh. Ah, pour tout ni question, il faut n'a pas son wande. Tenga le bali, quand on partit, t'es natiki moussousou. Voilà. On a beaucoup d'années, ébissiosé, minaye, et ça, là, quand 9 mois, on a crocodile, on a eu là, neni a botaka, tout ça, les lundis. Nous continuons. Donc, il y a le Bela Makala. Quand la Makala, les gens m'ont bêté. Mais Makala, procédure pour tous les Makala, vous voyez, c'est ce qui est bandara, même si vous avez évité. Tout le Belango est bandara, n'a pas 4 ans d'été. Après quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas moi, et pelé ziki et sali bapandi bazui bapandi full ce qui peut dire barabongo et à makala ça full ou té four four oui et ça genre four ça la full ou té full ou c'est la poubelle non j'ai dit four c'est ça non ah OK four ah là là c'est ça four bapandi après on va prendre le braise makala ndé ba yeli biso tobandi kolambela et bandaki wapi bandaki na okata nzete siko soki banzete sili soki banzete komi muke na nini oxygène donc toza nango isusu mingi te kopé manabiso komi problème chaleur e komata banzete kaptaka ba gaz wana tozo lebela pe mabe wana ezwa kango donc ceux qui tous ont basé tes mingités na mokili et ça la capable et ça problème yango zomona les experts essayent même de semer de trouver des moyens comment planter même dans le désert baso luka bagozwa ba fertiliser ma belle à désert pour tout luka sika to tia en parler aujourd'hui de ce qu'on appelle mirail verte hein on a parlé il faut planter des arbres et wuti banana mboka on a payo et kendeti na payo pour nanini banzete za la kaka pour to équilibrer température to équilibrer problème au ya climat donc conseil la makala maman to dobaki pour na biso awa to lokola to kotika te lelo mbala moko il faut to mi lobe la vérité ndenge na zolo batele kana lobi to tiki il faut to banana ko trouver solution liboso ya mukena solution muke sale la ba foyer amélioré mbabola économique hein orti yo sale la honte hein na sale la honte que pour nani na sale la gamo en fait de le reste ça je n'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser le presse mais na ba courant na biso oyo j'ai pu utiliser mais pas comme le quoi to commis ango habitude vous savez ce que biso to zo somba les sous ba makala tete comment sale la ngona na comment je peux dire na façon moko ya mukie ba nzete pe ko kata mali sous ebeli mais ba tango ba sale ba ko mukie mais tango to komi kaka donc ce qui makala ezate na kolamba te ba nzete ko sile na ko kata tango osile na ko kata mboke ko koma mulunge parce que mon peuple ba ndole ke sous te vous est-ce que vous avez au moins que nzete ne me la biso mon peuple bien tango zo donc tu en a 40 c'est bilo ko ebele donc on doit chercher à comment ko diminuer façon la biso ya ko sale la ba makala wana pour que ça ne soit pas ya ko kata maka ernios OK il faut utiliser bambabola économique wana to bien ba foyer améliorer et ça la été nzete et kata ma mingi te ndenge orti a outi ko pesa ba précision donc wana nyoso tozo contribuer na ko atténuer hein adaptation kobongisa to équilibrer ba problème aux écologiques ba problème aux alliés na climat na biso to bongisa yango eza soki to bani ko poser ba action wana neti wana to ti kolobela etali makala ah tozo lebela ba imboka pona ba action na bangonde ni basala ka kutuma matiti ko baka ba déchets ko tia mais faut to lebela pe ba kondi ah ba kondi pe bazala para munene na makambo oyo avant na toucher na kuto etali pe ya ba misala ya ba kondi ya biso kaka ba imboka pona nini ko baka ka basalité na ba rivière na ba rivière ça pose problème na ba rivière ça pose problème parce que il y a des animaux ce qu'on appelle les animaux aquatiques il y a des espèces animales problème eza makasi soki bazolia ba déchets na biso wana les experts ont trouvé même du plastique na katikati ya mabuma ba mbisi ba kufi problème lié na changement climatique eza kaka wana parce que soki mayi eza pollué mayi pe sila ka mayi sili na tchadi ya un problème de l'eau basenga ki biso de gros de force ba ozwa mayi na biso pona nini makambu kaka ya ba mayi oyo kobebisa mayi kosela ngo soki ndenge nini po ya biso mayi ezali nango ezali soki ndenge nini non nous devons utiliser très bien mayi na biso pe to batela ngo na tanga message oyo
Alors, bonjour, c'est Héritier Moleki à Vivraka. Hein, Moleki? À Vivraka, pendant combien des années? Hein, je ne sais pas, vous parlez de quel animal? Héritier, hein, vous demandez la vie de quel animal? Parce que les poukous, on a la lobélie lélo, ils ont poukouté, ils ont raté. Dans le pays, les poukous, espèce, ils ont bovidé. Là, c'est qu'imaginez, il y a à Vivraka pendant 10 à 15 ans. Voilà ce qu'a dit le sauvage, mais en captivité, a connu qu'on vivrait jusqu'à 18 ans. Précisément, il y a un nombre d'années. Il y a un nombre d'années. Alors, tout ce que l'on a dit, Bama y nabiso, ozo mo na ba rivière le lo etondi. Ezo sala malamute. Pona nini, e bandi ko sala ba inondasyon, pona ba deshe nabiso to bo akati na katamai. Avant, a ote ape sa vie na e, to rozoa deuxième rubrique, c'est à la découverte de verti. O botuni ba question italika ka banyama, mais na ebi ke lo komusu sa to rolobe la, bo tu na pe ba question sur yango. Et si tu as dit que tu as fruits, des feuilles, tout ça, comment l'utiliser? Et c'est avec notre rubrique à la découverte des vertus. Auditeurs, aujourd'hui nous allons parler du gombo, communément appelé dongo dongo. Le gombo a pour nom scientifique Abelmosus exulentus, plante à fleurs herbacées tropicales de la famille des malvacées. Le gombo réduit les symptômes de l'asthme, qui est dû à une augmentation des stress oxydatifs dans les voies aériennes. Ces stress résultent d'un excès de radicaux libres dans l'organisme. Le gombo renforce le système immunitaire qui défend le corps. Les radicaux libres peuvent être impliqués dans l'apparition de certaines maladies. Les gombos préviennent les maladies rénales. Les personnes consommant les gombos ont moins de risques de souffrir de maladies rénales. Les gombos nous permettent de perdre le poids, riche en fibres et pauvre en lipides. Bon pour les régimes alimentaires. Les gombos aident à lutter contre l'hypertension artérielle, riche en potassium, qui a un rôle essentiel pour un bon fonctionnement de l'organisme. Les gombos soulagent la fièvre et les affections respiratoires. Sous forme de tisane, ils contribuent à soulager les symptômes des infections. Les gombos améliore la digestion et prévient la constipation. Le gombo prévient les cancers grâce à sa richesse en fibres alimentaires. Il préserve la santé des yeux, un élément important pour les femmes enceintes, car elle permet d'avoir un accouchement par voie basse. Lutte contre la fatigue, nous permet d'améliorer la qualité de la peau. Les jus obtenus par le gombo permet de soulager le maux d'estomac. Le jus de gombo pour une bonne santé, les jus obtenus par le gombo soulagent le maux d'estomac. Voilà. So ok, wenze tuna na wenze tuna dongo dongo. Ah ok, kolba mama le gombo tout ça. Oyo koluka. Eh na ngope likamba ko tuna ten. Eh likamba omonat. Eh so bo monika ka. E kokana ba na ngope kokana one le côté eh. E kokana one le côté. Eh izala ka bo monika oyo. Eh ko somba dongo dongo. C'est ça. N'évitez orta lingana le ba dongo dongo te pali dongo dongo. Eza dongo dongo. Il faut le manger, c'est bien. Surtout quand vous souffrez de maux d'estomac. Il faut manger les. C'est pas seulement pour le mot d'estomac, même pour les femmes au bangiba comme à terme pour avoir un accouchement facile. Pour la kobota par voie basse, tu consommes plus les gombo. Même pour l'apéto basse la mingi basse des visages. Gombo pétri taka. Donc le gombo traite plusieurs maladies. En fait, ne traite pas plusieurs maladies, prévient plusieurs maladies et comme la bisouté. Voilà. Donc quand on consomme les gombo, ne vous attendez pas à une guérison, ce qui est miraculeux. Donc, consommez bien avant pour prévenir à ce que ce maladie-là est comme la bino. Voilà. So, y mama bio à l'obi, nganantini, donc yo pendima. Là, il y a ka bio à la maison. Donc, ceux qui ont zo lia bongo, et ça a été moi, ma problème déjà. Oh, un climat, ils ont même la biso. Les études montrent que même le cancer, ils ont causé un changement climatique. Oui. Vous posez la question, je vais amener un médecin un jour comme ça pour m'expliquer. Le changement climatique, ils ont posé problème dans la santé. Il y a des maladies pulmonaires où ils ont causé un changement climatique. Un problème, quand on écoute, et quand on a une température, ils ont bébé.
ma malformation congénitale, tout ça, biloko ebele kaka ndenge température ezobeba. Donc il faut to battre l'environnement, il faut to sala keba na makambo ebele o ezali en environnement. Il faut to sala keba to bandeko ko lebe ali kamba ba mai na biso tant to zobebi sa mai, si to zangi mai to environnement deja na problème et ça y était biso to zanga mai pona nini biso to bebi sa ki e ngana lo baka dame na ti soka nya kenda ko kena biso elongo. Il n'y a pas de tigre à biso. Au cas où tigre à biso, il y a un bébé. Non, non. Il faut to yeba ndenge nini ya kobate la environnement na biso. Alors, orti, quand ndenge tali ba mai, population mingi, bakenda ko tika ba décharge na bango na kati ya mai. Est-ce que ça manque peka ya sensibilisation de tozo lobela? Dans le reste, c'est ça manque à sensibilisation te. Moi, je dirais que c'est une mauvaise foi. Parce que la population sait déjà que non, ba déchet to boka kango na mai te. Quand on nous demande, par exemple, il y a cause de la poubelle, na biso et que tu as poubelle, il y a évacué en gros, il y a boaki. Est-ce que ça nous coûte? Non, ça fait qu'un 500 francs, 1000 francs, peut-être c'est à la fin de la semaine. Mais quand tu te dis tout ce que j'ai comme décharge, na kina boaki en gros, na mai, biso tozakana, la population n'a pas cette habitude, la voilà, il y a qu'on différencier bah déchets, donc à diversifier en côté à jus n'a pas plastique n'a pas carton n'a pas jeté à pondou à jus en gros emballé en place mon corps. Et quand elle va aller jeter ça dans fleuve to rivière à bois qui en route bambi c'est un biso tango ko makuna et jus et meli ba plastique wana tango meli ba plastique wana bisi to nyama moko ou inoso o yezala kana mai a komi étouffé tango a komi étouffé a koufi tango e koufi bisi to nyama wana e disparaître to kozala na yango lisusu te soki ezala biso to liaka to komi na carence ya bisi wana. Il y a des personnes là population au monsieur ba vanda pembe na ba mai ba melaka mai wana soko tango yo bwaki na ba décharge ba pondu na ba pampers ya mwana nyoso wana batu bake ba meli yango. Donc ces matières là esas donc esalami pour la komela ngo te kozungisa ngo sou na nzoto te mais biso to zui mai to meli yango na ba salité nyoso wana. Qu'est-ce que nous causons à la population ba maladie e bele Maïsa Abisso. Oui, Maïsa Abisso. Est-ce qu'on doit seulement entretenir les rivières ou bien bah fleuve Abisso parce que tu peux consommer Maïwana tout biloko te? Maïsa Abisso peut causer un angoumé pour écouler normalement. Pourquoi seulement on doit donc surcharger Maïsa Abisso comme on a des déchets belé? Bah déchets belé en tant que zone tonde angoumé peut créer kaka ou nini. Par exemple, la bibalenia moi quand ce qui nini mon corps est celle qui accède. Tant bah déchets ne kanga mi place mon corps. Il y a zoé à monité. À qui a tout ani nango? Ça pose un problème. Il faut tout battre là bas Maïsa Abisso. Oya biso se photo batela ezaka ka côté mususu bango bazo sanga mai côté mususu mbule leke bele bazo kima bazo kokana mbula te biso e monza mbatsaka biso ni équilibre apesi biso pese équilibre mo mbula e koka mo elanga e koka mo nini to mininga pe to batela mboka na biso to zela te to koma na ba problème ya makasi. Et c'est pour ça la passe, ce qui est commun à niveau 1. Donc nous sommes pratiquement déjà à la fin de notre tranche. Je crois que nous allons prendre une chanson avant de clôturer. Là déjà on me fait signe, il n'y a plus assez du temps. La télé, votre, c'est le temps. Votre chanson, hein, là ça viendra que le lundi. Mais Orti, mot de la fin, on a un bon état de changement climatique, on a un conseil pour la Baïmboka. Ah oui, Dolores, ça comme je l'ai toujours dit, moi, ma lobe kozangate, parce que, au fait, nous voulons, on a toujours dit, imiter les autres dans le bon. On doit imiter Bamboka Moussous, Nandenga Malamu. Pourquoi Bamboka Wana, Bazo, Koutana, Ba pollution, Boete? Pourquoi Bamboka Wana, Bazo, Koutana, Ba problème, Boete? C'est parce qu'ils savent comment entretenir leur pays, ils savent comment entretenir Bamai na Bango, Baka Niveau Nango. Quand on parle du changement climatique, chers téléspectateurs, sachez que Yazana Biloko et Bele Zoko Mawana. Nandenge Baselte na biso kaka ndenge tozo kundango izo kota na changement climatique. Kaka ndenge tozo bwa kaba déchets na bakani po mayone tondi yo sonne zo kota na changement climatique. Alors si on apprenait un peu, on essayait un peu d'entretenir non seulement nos parcelles, non pas seulement nos chambres, mais aussi nos caniveaux, nos rues, éviter à kotumba ba déchets mususu et à nos autorités savoir comment koyaka kosunga biso na bato baka ko évacuer ba déchets wana. Ba déchets na batumba kango te. Comme il y avait recyclage ya ba déchets plastiques. Ba déchets pe mususu o ya ba on peut se recycler. Oui, comme oui. Ces jeunes garçons-là, oh, à ça, la bas braise, à partir à bas déchets. Et pourquoi pas bas déchets, sous soupe, bas ça, on va transformer en peut-être un lot comme sous soupe. Au lieu à cocotte, bas déchets, bas déchets, on peut produire du somacal. En tout cas, ces messages adressés et à nos autorités et à nous, la population. Merci. Ok, voilà. Il faut vraiment protéger quand on est orti à lobby. Et orti, bah oui, pour recycler bas déchets ménagers. Mais pourquoi pas dans la gaz? Le mal est que maintenant la population
C'est pas que l'union, mais il faut maintenant sensibiliser à partir de la biso. Bissonnet, l'air tech tropicana, elle est là. Le ministère Moko Boussongo, l'air tech tropicana, nous vous prenons pour sensibiliser la population à partir de l'eau. On ne va pas refuser, on va sensibiliser la population et la population écossaise. Mais ce qui. Ça pose problème. Vraiment, cher réalisateur Cédric Lissoumbou, vous pouvez un message, mais c'est une question, Orti, tu vas répondre. Bonjour ma soeur, comment est-ce qu'on peut filtrer le jus de Gombo et ça guérit aussi l'estomac, hein? Signé Dango Mona. Rabbi, futur médecin. Déjà, futur médecin, azotuna. Voilà. Pour la gombo. On fait comment? On prend le gombo, on coupe, hein? On enlève la tête, si je peux bien dire, côté à mon tour. Après, aujourd'hui, au katiango mike. Après avoir nettoyé au katiango mike mike. Aujourd'hui, au tiango na katia, si pa, nzungu, soit, sani, moko ya mounene. Au trompeur on a katia mayuana et ça les bamsous sont balali ça quand bamsous sont à côté na tongo après 2 heures 3 heures à longoliango vous prenez d'abord passoire ou un miké miké té hein il y a pas passoire bamsous ou ezamo bah trop minéne mais le passoire là qui ne fera pas passer les graines en fait hein. Au penser au passer en gros au récupérer jus et puis les déchets restent de l'autre côté c'est okay. Facile à le faire donc Dango, Rabbi Dango, toute la famille, je crois que la grande famille, c'est la famille Dango. Mes salutations à vous, c'est comme ça que tu peux prendre le jus du gombo et prendre... Oui, je l'ai toujours dit de le reste, ça pour bénéficier à ma bienfait, à ma nutriment, ils ont la carte à gombo, c'est mieux de le consommer cru, dans le jus bongo. Parce que quand on prépare, on cherche à kouka l'ingango comme ma casse et les nutriments meurent, c'est pas ça. Je crois que notre futur médecin, Rabbi Dango, a occupé à Kosalela. Alors, pratiquement à la fin de notre tranche matinale, merci beaucoup pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Hein, l'ingénieur Cédric Lissoumbou salue Pami Mayaya depuis Canada. Hein, des salutations de la part de notre réalisateur Cédric Lissoumbou. Mais moi, je salue aussi toute la famille Sosa, la famille Mayanou, Flore Mayanou. Merci pour votre fidélité à cette chaîne. Je vous donne un autre rendez-vous le lundi prochain. Nous allons parler sur un autre sujet qui guette la société sur le plan environnemental. Vous voulez nous laisser des SMS, vos propositions sur les sujets liés à l'environnement ou qui vous dérangent normalement. Il y a plusieurs matinées. Il y a aussi matinées colorées. Donc, au PC sujet, Nabinope a développé en gros. Mais beaucoup mais la kabiso kaka et ça la kabiso malamo mingi. Alors moi Dolores Semerode, je vous donne rendez-vous le lundi prochain. Au revoir.